Le tournoi Stéphane Guivarch, il existe depuis 20 ans. Là, aujourd'hui, il y a 24 équipes U9, 24 équipes U11 et 24 équipes U13. Donc, ça représente quand même 72 équipes. C'est les parents qui ont raconté un peu l'histoire de ce que j'ai pu vivre. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce soit parents ou enfants, c'est avec plaisir qu'on leur donne du bonheur. Depuis 3 ans, on n'a pas fait de tournoi, donc de voir du monde défiler au tournoi, c'est super sympa. Et puis pour nous, c'est signe aussi d'une bonne recette aussi, donc ce qui permet de faire avancer le club. Toute manifestation est importante pour le club, que ce soit le tournoi, la saison en elle-même. Là, ce qui est intéressant aussi, qu'il y a tous les bénévoles qui sont là aujourd'hui. Sans eux, on ne fait rien. Donc je pense que sur une saison aboutie, accomplie, même si on a souffert avec l'équipe 1 cette année, je pense qu'il faut tout remettre à plat et puis repartir de l'avant. Moi, j'ai commencé comme eux, dans les tournois, c'est pareil. Donc maintenant, s'ils veulent progresser, s'ils veulent faire vivre une carrière professionnelle, c'est à eux de travailler. On n'a rien sans rien aujourd'hui. Bravo, c'est ce qui va.